on est là hein. Yes, avec le smile ça fait plaise. Bref, aujourd'hui du coup on est en concours à Fontainebleau pour le meeting d'automne. On reprend la saison, on est le 11 novembre. C'était pas trop tôt pour reprendre la saison, n'est-ce pas? Mais on est de retour. Et c'est cool, je suis contente d'être là et ça c'est trop bien. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé un peu sur Insta, mais j'ai eu une grosse perte d'envie de concours. Genre vraiment pas du tout envie d'aller en concours. Plus le signe du destin avec le derby de la dernière fois de fin septembre qui avait été annulé, qui était censé me redonner envie de retourner faire du cross. Bah voilà, enfin en vrai c'était l'hécatombe. Donc enfin bref, voilà, on a un gros soleil qui est très content d'être là. Et moi aussi je suis très contente d'être là, donc voilà. On va partir sur notre dressage, il est pionté, il est prêt, j'ai plus qu'à me préparer. Il pleut un petit peu mais c'est pas grave, franchement ça va être une bonne journée. Bon allez, c'est parti, préparation, on y va. J'ai quand même coupé le passage de Tétière, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Si. On a fait un effort. Peau n'est pas tondue, les cuirs sont pas faits, les bottes sont sales. On est des touristes, nous, c'est comme ça qu'on nous aime. Nous, on est pas là pour faire les beaux gosses, on est là pour être efficaces. La meuf dit ça, tu vas voir qu'elle va tenir son phrase. Je le sens. Comme d'habitude en complet, on commence du coup la journée par le dressage et comme je suis une bonne petite bolosse, j'ai oublié d'aller récupérer mon protocole, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je connais juste mon pourcentage final qui était de 65%. Je n'ai pas le détail des notes du coup, donc je vais simplement vous dire moi ce que je vois sur les images et un peu comment j'interprète tout ça. Mais voilà, j'ai pas les notes des juges, mais bon 65% c'est dans notre moyenne très correct de l'année dernière, donc c'est une bonne chose. On n'a pas régressé, on n'a pas progressé non plus en même temps, on n'a pas vraiment travaillé depuis la motte. Donc du coup, on se lance sur notre carré, on fait une entrée assez correcte, en ligne droite, même si Soleil se redresse un peu au début, mais ensuite il se met direct dedans, il trotte bien, on est bien sur la ligne du milieu. Ça c'est cool parce que c'est vraiment un truc qu'on a eu du mal à faire l'année dernière, on zigzaguait un peu et maintenant on est bien droit, direction C, un petit sourire au juge et ça passe crème. On va venir ensuite faire notre première diagonale en R. On voit que Soleil est dans une bonne attitude. On doit allonger le trot. Bon, ça allonge pas vraiment, hein, comme d'hab. Ça accélère, mais ça n'allonge pas. De toute façon, j'avais pas beaucoup Soleil était pas très réactif à la jambe, voilà. Donc c'était un peu compliqué. Il avançait, il était dans la bonne attitude. Moi, c'est tout ce que je demandais. Et ensuite, on fait notre deuxième diagonale avec la transition au pas au milieu de la carrière. Quelques petites foulées de pas, on repart au trot, ça repart direct, il se redresse pas, on est plutôt pas mal. Et petite mention spéciale à mon dossard qui est complètement à l'envers et très mal mis. Ensuite on retourne devant les juges faire notre cercle en C. Soleil reste dans la bonne attitude, il trotte bien, il est bien en avant et il s'incurve correctement. Ce qui est plutôt cool, moi je suis pas très à l'aise, ça se voit que je rebondis beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, avec la nouvelle selle qui va arriver bientôt, ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, on fait notre départ au galop, où il reste pareil, bien en place et tout, il se remonte pas, et ça c'est vraiment vraiment cool. On a un allongement à faire sur le demi-cercle, ça... Il y a un peu de gaz qui sort, donc ça va, même si c'est toujours pas des beaux allongements comme ce qu'on attendrait. Et ensuite, on fait notre demi-volte pour rejoindre la piste galop à faux, et là je prie pour pas qu'il change de pied. Et ça marche, il n'a pas changé. Voilà, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est encore un point qui est compliqué. À la motte, il avait changé de pied. Et bon, voilà, là ça s'est bien passé. On transitionne au trot, puis au pas et à l'arrêt. Plutôt cool l'arrêt, franchement, plutôt pas mal. Ensuite, on a nos petits éléments au pas avec le pas allongé qui se passe relativement bien. On voit vraiment qu'il cherche à descendre et ça c'est vraiment une attitude que j'aime trop chez lui. Voilà, il aime vraiment bien faire le pas allongé et ça c'est cool. Je remonte sur mes rênes pour repartir au trot et faire notre cercle en A. Toujours dans une chouette attitude, franchement, pour le coup, il a vraiment une très belle attitude sur cette reprise. Moi, ça se voit encore une fois que je suis pas à l'aise dans la selle, mais pour le coup, lui, il est vraiment top et ça, c'est vraiment bien. Puis, on refait le départ au galop à l'autre main. À nouveau, on va devoir allonger sur un grand demi-cercle. Et je pousse et je pousse et je pousse et je le laisse s'ouvrir carrément pour qu'il prenne son galop, mais ça reste toujours compliqué. Et ensuite on va venir faire notre demi-volte pour repartir à faux
Et de ce côté-là, ça passe toujours bien. Donc voilà, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Je sais qu'il ne change pas de pied. Voilà, on part jusqu'en E. Ça va, ça se passe. On transitionne au trot. Bon, là, ça commençait à être compliqué. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pluie qu'il y avait, mais on s'est pris une averse, un truc de dingue. Et je commençais vraiment à en avoir un peu marre. On retourne au milieu de la carrière. On va faire notre arrêt. On va saluer les juges et on leur dit bye bye, ciao bambino, à la prochaine. Et je caresse mon poney parce que je suis fière de lui. RPZ. Attends, t'as fait 16 points ? Ouais. Mais nous, on a une patate. Je viens de refaire du cross quand même. C'était ouf. C'était ouf. Il m'a fait un peu peur sur l'entrée de guet. Enfin, sur la première haie, après il y avait le guet. En fait, il a sauté la haie et puis là, il a dit oh là là, qu'est-ce que tu m'en fais toi? Il y a de l'eau derrière. Et au final, il est passé dedans, il a re-sauté la deuxième et il a repassé le guet. Trop bien. Voilà. Et maintenant? Et maintenant, maison. Un bon gros bain chaud. Lui, il va retrouver son Goku. Je vais lui mettre sa meilleure couette pour qu'il n'ait pas froid. Et voilà, hop, on rentre. J'ai galéré à enlever son autre tente. Voilà, c'était tout. Je vais faire ça. Oh, c'était ouf.